Le 11 mai, on va se déconfiner. Ça veut dire qu'il va falloir que chacun d'entre nous porte un masque. Un masque chirurgical. Ce masque chirurgical, il est fait pour protéger les autres. Je mets un masque, je protège mon interlocuteur. Si l'interlocuteur n'a pas de masque, il ne me protège pas. Pour mettre ce masque, première chose, il faut se laver les mains. Donc on se lave les mains, ça prend un petit peu de temps. Mon masque par les élastiques et j'essaie de repérer le petit endroit où il y a une partie métallique. On essaie déjà de la plier un petit peu pour permettre de trouver le milieu et on le met dans le bon sens. Il y a des plis vers le bas, des plis vers le haut. Ces plis doivent à l'extérieur, être vers le bas. On se souvient, c'est pour éviter que le virus tombe dedans. Je le marque sur le nez, je l'accroche sur les oreilles et j'essaie de bien plaquer autour de mon nez pour faire étanchéité. Une fois que j'ai mis sur le nez, je le descends, je vérifie en respirant qu'il y a bien une bonne dépression. Je suis étanche, je peux protéger mon interlocuteur. Voilà, donc une fois que le masque est en place, on s'est bien assuré l'étanchéité en haut, il descend bien sous le menton, on n'y touche plus. Il ne faut pas l'enlever, par exemple, pour parler à son voisin. Ça, c'est pas bien, on ne peut pas le laisser comme ça. Si vous avez soif, vous l'enlevez, vous le prenez vraiment par l'élastique, vous le tendez bien, vous buvez et vous le repositionnez. Ce masque chirurgical, et je tape au bout de 4 heures parce qu'il n'a plus l'efficacité recherchée. Voilà, une fois que vous avez terminé vos courses, vous pouvez retirer votre masque en le prenant par les élastiques derrière les oreilles. Il ne faut surtout pas le toucher puisque tous les virus sont dessus. Vous ne touchez pas le masque. Et vous le jetez directement dans la poubelle. Voilà. Surtout, ça ne traîne pas par terre dans les rues. Une fois que vous avez enlevé votre masque, vous vous lavez les mains avec de l'eau et du savon si vous en avez, sinon le gel hydroalcoolique. Et parfait. C'est bon.